Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Tokubande Mission, la mission Bande Konanga. Avec le recrutement, les phares de ces recrutements. Nous sommes en guerre. Boko yokande bako ganga bandeko. Jeunes recrutés de diplômés en majorité des étudiants bandeko. Bandeko boko yoka. Naba diplômé. Boba tanga bako tina katemasu. Boko yoka partout à EDC. Recrutement mwako sakarati. Le colonel Faustin Dakila motif se trouve. Nous sommes en guerre. Et ce que vous m'avez compris. Oui. Ces jeunes recrues se sont engagés à rejoindre le rang de l'armée congolaise. Bandeko boko yoka ba déclaration. Alors, tous à la connecter, peut-être qu'on développe une émission là-dessus. Deuxième point, chers téléspectateurs. Secret dévoilé. Bandeko Demerode Ouaza, directeur de l'ISSN, collaborateur de EDF M23. C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui a dévoilé les secrets. Esaïa Koyinda, Esie Yindine Mission. Troisième point, chers téléspectateurs. Finalement, Bangonyo Sobaye ensemble, Baye Koloba. Bao Bengango, Oyokka message Moko conjoint de Bango Touba Sangani. Ba Pesi message, ma grande puissance, Ba Lobby. Il Kobazo condamné. Et appelle le retrait de EDF M23 immédiatement. Quand l'herbe a fait ce message, quand le gars a eu un message, il a dit qu'il va quitter le territoire occupé. Et ça, il y a un peu de temps. Et comme sommaire, on va commencer cette émission avec le Fardis. Bende le koyate biso nyonso sima ya armi. Bande ko boko boyoka. Makambo ana boyoka ti. Bande ko ba jen kaka oyo mona ki wana te. Ba diplome. Ba gradué. Ba sangani ba nyonso bazo kota na fatis. Bande kweze se ngoko mwona kina boba tanga bakoti bakoma ba fichiro fisi ya fardisi. Don eze se ngo, arme na biso tozo bandela yango. Bande koto ko zala arme mwa makasi. Paske na 21e siècle, bozo bandela arme. To comprende ka avec la technologie. Bande ko, Fardis azo recruté na ndenga mukite te yo comprendre ba mona ba message tu bo pesaka ba ndeko bele ba pesa me frontière na biso na Rwanda il faut normalement frontière wana tu ezala mine ezala vraiment mine ba camp militaire nyonso na frontière na Rwanda na Uganda alors pour faire tout ça il faut ezala na effectif a makasi alors ba ndeko Fardis azo recruté ba jeune partout. Alors, yonde konyo so place osali. Oyebi jeune congolais, oyebi yebi se voilà on recrute. Les Fardis se recrute, ba Fardis se va continuer les musala bandeko. Mboka na biso. Toza un grand pays en Afrique centrale et parmi les grands pays, il y a toute l'Afrique. Même na monde toza parmi les grands pays. Armée na biso le quoi tous un grand pays. Faut les armées à consacrer en homme. Rwanda on a nyosé vos hommes. Bah c'est un petit pays. Bah il biété. Ceux qui battent tout tigre bah au calme. Bah qu'on commande la force à consacrer en outil. Mais où est-ce que c'est un moment comment on a jeune na biso bah mi pesi na armée. Ba yoki message à chef de l'État. De s'enrôler
massivement. Congolais n'y ont sur place aux alliés. Tous à la besoin y a armé mon corps très fort pour n'atto battre la frontière n'abissou. Et ce qui se passe pour le moment, et ce sera pas si peu mawa, ben de corruption à l'est, ben on continue qu'on souffrir par la pression et l'hypocrisie y a communauté internationale. Bobo yo kabango. Ba sangani ba moni moyeti ba yebi ke biso pe to zon lubenga ba onke beza hypocrisie ba eko sangana bango nyoso ba bengi il faut ezala ba bengi président rwandais parce que tant ka ba silisi président rwandais a du parole a lobi ke azwe sa ba 1-23 ba tika to comprendre mais toujours à la pointe alors bandeko Este wana benfiltre doko sa karate. Boko yoka na deuxième point. Ministre ya enseignement supérieur Moindo a dévoilé secret. Ya parc à Virungo. Boko yoka tozo ya na point. Alors, ezo senga toza la armée moko a makasi. Toza la armée penoka parce que poto batte la richesse na bisou. Il faut armer ma casse. Sans armer ma casse, la richesse de M. Banaka a coupé. Et comme nous avons aussi la carte, laisse-la aider, c'est comme un carabou. Alors, maintenant, ma chaîne, nous sommes sur la panne. Bango, tout la carte à faire des choses. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as comprendre que tu as changé côté Fardis. Les fardés se recrutent. Boko yoka message ya Faustin Dakala. Boko yoka message ya Guillaume Djiko. Bandeko, nous sommes en guerre. Ba jeune ba gangi penza. Les jeunes recrutent des diplômés en majorité. Parmi ba recrutés, oye ba zoom bandeko sakanati. Ba diplômés ba za ebele. Nous sommes en guerre. Le colonel Faustin Dakala motive c'est tout. Nous sommes en guerre et c'est que vous m'avez compris. Balobi, oui. Ces jeunes recrues se sont engagés à rejoindre les rangs de l'armée congolaise. Dans le cas de futurs officiers, l'un d'eux voulait rejoindre le commando. Bamusu balobi mbake na commando parce que ndeto zakato zanara ba commando na rank donc ba différent groupe armé et groupe ya. Ya anakati armée na biso. Alors, Moussouba le dit que l'un d'eux voudrait rejoindre les commandos. À l'armée, on forme aussi les gens pour devenir quelqu'un dans la vie. Et ça, c'est que l'armée, kaka au front, armée bon, ça ne pas comme quelqu'un dans la vie. Ce n'est pas n'importe qui peut se présenter dans l'armée. Les gens croient que l'armée congolaise, c'est n'importe qui. Non, non. Les enfants de la rue, ce n'est pas comme ça l'armée. C'est pour les intellectuels. La chance ne nous sourit pas. Si ces jeunes diplômés ont signé à défendre la partie distincte, d'autres sont poussés à s'engager, mais sous faute d'alternative. Pour la majorité, c'est le chômage qui fait rage aussi la haine. C'est mon cas, par exemple. Je suis gradué en sciences sociales et politiques administratives. Ce n'est pas veut dire que nous le voulons réellement, mais nous voulons aussi d'autres opportunités, comme les autres. Mais bon, la chance ne nous sourit pas. C'est vous bien, Moussousou. Bah, ça a eu le cas. Mais bah, il va quitter qui. N'a qu'à te faire des CP, au courant progresser, au combien mon compte. Au combe la vie moko ko sakana te bere ba eba kiti ba kanza ki armée za nokaka kara front ici mena ba jeune diplômé ba sopa na kati armée siko colonel Djiko ayebisi ba pas interview ze conducté par la France pour le colonel Djiko porte-parole de FARDC dans la province ce recrutement n'a pas pour objectif de combler les manques de l'armée congolaise ba lobi zate ke na armée ba tubazangi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne souffrent rien.
Les effectifs qui sont là sont à mesure de parer à toute éventualité. La population s'est dit, trop c'est trop, nous allons nous mettre ensemble avec notre armée pour qu'elle puisse mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Quand il conduit qu'on l'obit, qu'il va gêner au nom de la terre, tout ce qu'il va faire d'essayer mon côté. Tout rejoindre, tout à l'ensemble. Bandeko, ce que je veux dire, c'est que je suis un petit homme. Je suis un petit devant, je jeune. Je suis un petit homme, je suis un expliquer dans ma gêne beaucoup moins faire des dans deux ans à cause la parade à cause de la dépasse bazar la formation à une année mon sous formation à six mois mon sous formation à officier supérieur donc ce que vous êtes là va recruter n'a pas diplômé va graduer et c'est ce que vous avez alors sans plus tarder Toyoka. Ndenge ma solangu za kulika. Ndenge ba jeune gradué pe ba rejoindre. Bon, to continue mission. Nous sommes en guerre. Est-ce que vous m'avez compris? Le colonel Faustin Dakala motive ses troupes. Ces jeunes recrues se sont engagés à rejoindre les rangs de l'armée congolaise. Dans le carré des futurs officiers, l'un d'entre eux voudrait rejoindre les commandos. En armée, on forme aussi les gens et devenir quelqu'un aussi dans la vie. Ce n'est pas n'importe qui peut se présenter dans l'armée. Les gens croient que l'armée congolaise, c'est n'importe qui. Non, les affaires de la rue, ce n'est pas comme ça. L'armée, c'est pour les intellectuels. Si des jeunes diplômés ont signé pour défendre la patrie, disent-ils, d'autres sont poussés à s'engager, faute d'alternative. En majorité, c'est le chômage qui fait rage. En particulier, moi, je suis graduation sociale, politique et administrative. Ce n'est pas dire que nous le voulons réellement. Nous voulons aussi... D'autres opportunités comme les autres, mais bon, la chance ne sourit pas. Pour le colonel Guillaume Djiké, le porte-parole des FRDC dans la province, ce recrutement n'a pas pour objectif de combler les manques de l'armée congolaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne souffrent de rien. Les effectifs qui sont là sont à mesure de parer à toute éventualité. La population s'est dit trop c'est trop. Nous allons nous mettre ensemble avec notre armée pour qu'elle puisse mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Selon l'armée, environ 2000 jeunes se sont engagés dans la région. Coralie Pierret, go. Bandeko, Tolani Bisognoso. Le pays est en guerre. Yo Congolais place aux ans, yo kaba jeune baebi, bazo yeb sabango, ba lebe 8 oebi. Mboke zana guerre. Bazo préparer Fardes avec une force extrême. Oyo, tous les bangouna, tous les bateaux bazo déranger Mboka. Bako zala nasi. Biso zan espoir. Un pays riche comme la RDC. Ozo mona makambo e belé de San Marche, malo, toza ko avance. Tozo kene liboso na nenga osaganati. Ezo senga, ete biso nstoza bomoko. Tous a déjà quelques divisions. Tous au moins à moi battu musoko, mais pour le moment, tous à la besoin à battre yo, balo papona este kaka. Et bien le Congo changer mon cœur. Baso comprendre que tango kuki. Bande comme on zambo kaza wana pona kubong zambo. C'est qu'on besoin de tous à l'ensemble. Et c'est esa honte pour la biso. Rwanda baso tio la biso. Ba Rwanda ba sangana pona mboka na bango bisho peto sangana parce que era ngo otozana ngoza ero yo kongola tele ma pona mboka na yi trop c'est trop hein frontier wane kozala mini ba Rwanda bazana kanda. Bah mon bisou tout on dirait oh mais kaka au monde là mutuana au monde qui kaka bouille oh au monde mutuana paye comment ça la macambo bien bien beaucoup comment ça oh bien bien beaucoup ça la pour bangwa soit bon ça armé na bah mon bisou comment ça la bino quelque chose c'est allié quand les chefs d'État Félix Tshisekedi Kota qui n'a pouvoir les occidentaux et tous ces gens bah ben kaka ils ont même rythme kaka. Pas congolais, pas ça dans le côté, prison, mais il y a un peu de
Mais le président a une vision. Aïe pour bon samoka. Aïe pour ma. Parce que Bandaka la EDC, Bayou Kaka, Bango Kaka, Bayi Bamoka la, Bango Bazan Mokaka Boy, Baki Pagambo Kate, et tout ça. Mais parfois, ils ont raison. Parce que 20 ans, Babon s'est armé. Président, il y a Ouganda. Azo se kabiso. Alo bakiango. Ke batu fuga za narme moko ama kasi pour se défendre moko na bin. Eza mawa. Eza se mouma. Ba kongole bala moko. Totika hypocrisie. O eza mboka na bisu. Totele mapo na mboka. Koza la naïveté. Yozo talaka na za parti politique boye. Soki na lobi boye parti politique na biso. So la o supporte ba monde na o supporte président. Non, yozo supporte FARDC. Bende le kwe ate, c'est ça. On a lancé une nouvelle campagne. Keto protéger mboka bino biso nyonso. Mais ma Congolais belé va se comprendre. Mais il est tato la mouka. Bisonyonso, si ma FARDC, bendele kouete. Ba jeno yobolandi, monsieur le bin a sa diplômé. Mais, na yeba gite ke na FARDC, au kogupe ko progresse. Le ra Congolais ma esi wome oza gradué, me oza l'officier mounene, après formation. Mais ba yeba gite. Oza mouna. Manque au pays sa bien formation. Bah, je ne faut pas comprendre qu'est-ce qu'est l'armée. L'armée pas via mon échange. Mon tazu vine, mais la katia armée. Et ça, t'es au que nous bundarak. Guerre, y'a qu'un moment. Guerre, ça l'air n'y a sauté. Mais maintenant, bah, jeune diplômé, bah, côté belé. Y'a qu'au sacanaté. Et maintenant, le recrutement continue. Mboka ou il faut échanger. Tout ça va jeune recruter va côté belé dans l'armée. Comme ça va voisin va sentir. Bande ko recherche toi nango. Ce qui te comment battre la frontière nationale Ouganda na Rwanda na Burundi. Parce que Rwanda, Burundi, Ouganda, ils ont les trois frontières où ils toujours perdent des mots. Des minéraux qui circulent au quota frauduleusement. Mais tout ça dans l'armée mon gars ma casse. Frontière je va comme mécati. Alors, bande ko nanga. C'est à ce point au tiki pour un recrutement tout mon kende na deuxième bande ko nouvelle koui mouta dévoilé en go ministre de l'enseignement supérieur universitaire mwana ya Nord-Kivu Moïndo Nzangi a dévoilé tout a bangiti a lobe en go clairement et te demeure au hasard directeur. Il y a ICC na Park à Virunga. Le directeur na Park à Virunga a sa collaborateur y a ba M23. L'heure est grave. Il y a autre chose ça va congolais. Tant au tellement pour na mboka. Le pays Oyo. Et comme tant besoin sur ton la mboka. Et DC et Kendeli Bosso. Banguna va sentir. Parce que infiltration. Oyo kaka, domawa. Ho trahison. Yasa osala na katia park à Virunga, park na bisu. Mais, azamutumoko ministre environnement, motoyo. Ba preuve ba suba kangi après ba ndeza na uzalozare collaborateur ya M23 mutu alobi aza mutu pamba pamba te eza peuple kakati ministre de l'enseignement supérieur Moïndo Nzangi alobi ye apesa kabango na ba arme a fournisa kabango a même la bandeau ma camion sur ma camion à part Kavirunga transport ya ba
armée rwandaise M23, voilà. Corruption jusque-là. Ce qui toujours comprend de l'Est, on a un problème ici. À ça, il faut que combien de pertes va tu Koufi ya collabora kana batuwa mundele oyo azana problème bandeko a détaillé ministre moindo nzanga détaillé yango nyoso tout le matin batte la frontière surtout zo mona makamba boy to batte la mboka bakonzi. Il faut armer un peu comme un niveau qui partout tout ça. Parce qu'à Virunga, il fallait armer un peu pour les Vandiwana. Mais qu'on garde, il y a un peu de mais sentir un peu de temps. Parce qu'à Virunga, comme une place où il y a une bombe qui est criminelle, une place où il y a une bombe qui est battue, où il y a une bombe qui est armée rwandaise M23 qui est en train de se battre. Il y a un Rumangabo. Basso collaborer n'a pas inventé. Tant autant la bloque. Non. Alors, situation tout ça dans le bandico. Et je m'en ai clairement été. Dossier Oyo, ce qu'on a dit. Je m'en ai comment battu. Et belé basso trahir Mboka Oyo. Mais ça n'est pas qu'à été. Totanga, bon, on avance. Secret dévoilé Émeraude, directeur de l'ICCN, collaborateur de EDF M23. Agresseur dans l'Est, Moïse Donzang accuse le directeur provincial de l'ICCN, Emmanuel Demero, d'héberger et de ravitailler les M23. Le ministre de l'Enseignement supérieur et Université Moïse Donzangi, au cours d'une interview livrée à Top Congo, accusé Emmanuel Demero, directeur de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, donc il faut d'héberger et d'approvisionner les terroristes du M23, qui occupent plusieurs agglomérations dans les territoires de Rutshuru et Nirangongo, dans le Nord Kivu. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de dénoncer le directeur de l'ICC. Emmanuel Demero, qui est resté à Rwamangabo, l'hôtel de l'ICC, pour faire pratiquement des quijés pour les M23, a affirmé le patron de l'enseignement supérieur universitaire. Aza Moutifouba Kangai, Aza Lozare, homme d'État Moutafundi. Félicitations, ministre Moïse Donzangi. Ah, Nzambe, Mbokarabiso. Bato Bomona bazo travaille na parc. Ba pesier confiance nyos. Mais yazo parvendre kokto ba paya. O bazo boma bande konabiso. Mais yaza directeur ya ICC. Ba Kongole botala. Sote Sabine te mbokeza en danger. Hôtel ya bango ya parc ya ICC, hôtel wane komi kije ya le M23. Alors que hôtel wana Rumangabo, ezo hôtel o batu ba yaka visite na parc, batu ba lala kan ezo hôtel moko pona ICC. Non, l'air est grave. Selon lui, c'est l'ICC à travers Demerot et la Fondation Virunga qui donne du carburant aux unités du M23 qui se déplacent sur le terrain. Na carburant, makamu nyonso, ba ressource waneza ya RDC, makamu wana nyonso, yozo pesa EDF M23. Bande kotoza na problème moko grave. Pays ezala ki sécurité. Car jamais comme on a ministre congolais n'a évité ma camo na zolo ba dénoncer ma camo.
pour l'axe, comment va mourir de Nzangi Bangonioso, Nakati Union Sacrée Batéli. C'est pour cela qu'il a quitté Moïse Katumbi. A comme il n'a pas à la posa mboka na ye, mboko e koma bien. Félicitations, ministre de l'enseignement supérieur. Nous sommes au courant des rencontres qu'ils ont eues à Matébi. Soit disant que le M23 s'engage à protéger les barrages de Matébi. Et en contrepartie, ils vont recevoir le carburant de valeur de 20 000 $ américains. Ce sont les véhicules de l'ICCN qui sont utilisés par les rebelles pour assurer leur ravitaillement dans tous les coins qu'ils ont martelés, qu'ils ont amartelé Moïndo Nzangi. Bandeko Moïndo Nzangi Penoyo Kaka. Non. Il a martelé, donc a touché Benaba Pohon. A lobi na yebi masolo e zaraki na Matébi. To yebi ke bo pesa ki bango 20 000 $. L'air est grave. Barrage à Matébi, bango ba rebe ba kengele yango. Avançons. Moi, je crois que si on limite la guerre de l'Est à une guerre économique, on prend une fausse route. Kagame, dans sa tête, il doit prendre une partie du Congo. Il faut tout faire pour que, dans le plus bref délai, nous puissions avoir une armée capable de défendre le pays. Tozali. Fardé Sazali. Ndenge bazawana Moïndo Nzangi, Fardé Sazo Sara Moussala. Tozana armé, peut-être quoi avancer dans vous. Fardé Sende Bozomona, Fardé Sazo Bunda Ponambouk. Batou Nde Bozomona, El Barebelo, Bazaba Rwande, et tout ça. Bogomona na photo, on a point autosokeni. Bon, mon abamo visible que Bazaba Congolais, Bazaba Rwandais. Alors, maintenant, tout me kako développer ma kamouya d'émeraude. Bandeko, ministre enseignement supérieur à Martin, a nyati penana point. A lobby, na yebi conversation na mino na barrage ya Matibi. Soit disant, Bango Bazo batte la barrage, mais Demerode, vous avez donné au RDF M23 20 000 $. 20 000 $, soit disant que Bango Bazo batte la paix. Et puis au PESA Bango, carburant et parc au fil. Bazo Zango au fil. Non. Situation est appelée à mon boulot. Alors, na oyo nyonso, batu nyonso, bandeko tala, to sa na problème mouné na kate mboka na biso. Ministre de l'enseignement supérieur, pende a lobo, zo mouna na patriotisme nyonso na nzoto. Alobi na yebi o nyonso bo osala na Matibi. Et puis là, je vais vous dire que vous avez coopéré dans le Batouana. Maintenant, Demero doit être au Zara, il faut pas kangaye. À quel est la prison? Je sais bien que le service nous a dit au courant message, il y a Moïndo Nzangi. Je vais vous dire camion, il y a ICCN, ils ont même armée rwandaise, dans le Rebe. Mode de transport. En tout ça, Bandeko, situation est grave. Biti ya Kagame nane kukisa miti. Biti ya Rwanda ndenge Moïndo Nzangi alobi. Eza po ba rekipere une partie ya pays. Yango tozo forme armée basala makasi ba bongisa armée moko ya makasi. Président Rwanda alembite. Ndenga boyo kyo c'est le feu oh boy biso to continuer ko former basunda to continuer ko former armée biso to pe maté
What is Aka standby? Okoyoka après va déposer ba arme au lieu de ba quitter le territoire congolais. Mais bazara ba musuka ba batan. Faut qu'on fouille bango partout en bazo kendi. Toye ba destination so ba quitter RDC ou pas. Et puis ma frontière n'a besoin de arme camp militaire. Partout. On le cas okuta na camp militaire. On le cas okuta na camp militaire. Faut de ma frontière nyoso Burundi, Rwanda, na Uganda, tout ça là-bas camp militaire. Mais comment on peut savoir commenter ma camp militaire? Et puis na ma camp militaire a motivé pe mir. Trop c'est trop. Ce n'est pas possible. Alors, tous ont gardé un dossier où il y a mon néné où il y a. ICCN, banda Kalezagi, place où vous avez soupçonné. Ba arme, maman, kouta ba arme, bele kouna na kati ya par kavirunga. Zomona. Azo fournir bango ba arme. Tambo ko lande pe, si kui moko za ba arme, le mse koutika na fardese, eke na par kavirunga. Et comme on a les camions comme armée rwandaise n'a pas rebelle. Voilà ce qui se passe. Alors, maintenant, à cause de l'Ozare, à sa collabo, il y a Benemi Nabisou. Collabo, il y a bateau basso bombardé qu'on a mis sur l'Est. Collabo, il y a bateau basso qui peut occuper basse la balkanisation. Collabo, il y a balkanisation. Demeurant, collabo, il y a balkanisation. Azon dima bato bakota na mboka. Moi nzonzanga eti ceci que moi je sais et je connais tout ce qui se passe. Vous étiez à Matibi et vous avez donné 20 000 dollars aux rebelles M23 armée rwandaise. Nous on tangi, il a tout dit. Pourquoi garder ce directeur-là au parc de Virunga? Il doit être aux arrêts et puis a quitté ma fonction immédiatement. Nous avons mis ça à l'objet. Ah, mon toit déjà. Voilà ma campe. Ce cas est en contact avec les Occidentaux, on ne sait pas. Au bas, il y a un peu de sauté. Les Congolais sont tellement. Ceux qui ont fait une mission pour comprendre les degrés où ils ont commis. Ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps. Mais entre temps, pendant les 20 ans, les dirigeants qui ont fait un million de dollars, ils ont fait. Fardese kutata mbongo na armée zati. Ba reforme wakatata makaba ko reforme armée ti. Batu bazara ba ambition na mou mousousou. Alo ke peye zokoufou. Mena ba Kongole ba lamu kito zana 21e siècle. E komi ta obisyon sto telema pou na mbongo. So ki ye diretera parka Virunga azo sala makaba pou. Basé belé même si malé très bien tes services à renseignement en tout cas aux Hollandais dans situation où le ministre a lobby et ça grave beau partager en haut parce que comme directeur il y a pas qu'à venir pas bitumbe ou t'es qu'on les kawana dans les guerres autour kawana il y a ça n'est pour bango mais entre temps il y a des innocents bah ou t'es au coup faut valoir 5 morts. Bilan, il y a bataille à Rumangabo et na parc à Virunga. Poto repousse Batouan. Vous savez? Na village on est à Tongo. Donc, il y a un fournir Bango Bilogonios. Bande Koranga, Mawa Mingi. Point ya directeur à parc à Virunga. Tokomo Tikamona Bino. Tokomo Kena troisième. Bandeko, to komi na pona biso oye yindi.
communauté internationale ba kokiti ba monika tika to sangana sikoyo to jwa decision tala ler ba eko jwa decision et puis après kaka decision na bango président Rwanda a réagi. L'heure est grave. Mais avant tout, kota na mozindo, tonton loba oyo, premier ministre, bandeko, a kendeki na, ni na francophonie, a boy ko kota na photo, oyo président Kagame azali. A lobi, ya ou kota te paske, agression. Il y a un Rwandais dans mon cannabis. Voilà. Oyo kaka ke poezo laksa kwa ba kondina biso baza déterminé. Macron pena ba mona ba ninga ba telemba kanga photo bango nyoso ba moni ya vandi alubi ya kuyate paske Kagame azawa. Paske mle pays est agressé, moto agressé toko kane photo te. Tamba konzi bazo na kisabilo kwa niya ba kongole totele. Sama lukonde apoi. Alo. Mena tokende na pwena biso oyu. Ba Ameriken bango nyonso. France, Belgique, Royaume-Uni. Ba grande puissance nyonso ba moni mwaete. Te sa bino ke position fatia zui esukisi bango. Et puis, ba yeba eke, tango, bango bazo pousa na kaka. Fatia kondi mwasi yebako. Bazo mouna presa pa zaga na position. Ah, bo occidento, bango ba yeba kake kope ko simba. Me kope foire. La RDC ne sera jamais balkanise. Pa, 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 ba mouna kabo, oh. Basuko ebimi. Oh! Batalani. Américain, France, Belgique, Royaume-Uni, batona nyoso. Ou à la grande puissance, les Occidentaux, messieurs rouges. Mboka na sobo kaboula ya mouti. Leur but est que ba kaboula richesse na misu. Et qu'on simbati. Si bien sûr nous avons vivre dans des causes à Kusakanati, nous condamnons à peine les stratégies na yesimbi. Alors, pourquoi tu retiens la bino? Tant bas aux paroles ensemble, qu'est-ce que la vie dit? Mais les silibans, ils ont pris une décision ensemble, et dit. Armée rwandaise, M23 va quitter le territoire occupé. Le territoire n'y a place dans le bazar, va quitter, va quitter ce qui voit. Parce que quand au Uganda, Rwanda, va y avoir un moment. Voilà. Mais ce qu'on négocie dans le terroriste. Mais pourquoi il y a une décision aussi courte? Parce que ma monnaie était plus comme qu'on s'organisait. Ma monnaie était comme un échec. Ma monnaie était. N'est-ce pas que ne va pas réussir. Envoyé là-bas. Ex-président Kenya, Ayaki Akende Kuna. A Ketina place, va déplacer. A monnaie va déplacer. Ma condition va aller. Ma tiki banda Kuna Bango. A Buna Gana. Aruchu, akiwenza, kutona nyoso. Pepla tiki ba territoire na bango. Toso komprenda ko. Ba yeko soufri na place wana. Me bango osi nan toba vana ki nye ba nakal. Me ba yebi na bango bien ke Rwanda mutawasa ama kambo. Ni batiki biso to soufrir.
ma décision va aux oui. S'arrêter. Ce qui va bien à qui est bandakala, ben c'est pourquoi qu'à psychotique. Parce que va bien à la téléphone. Les bossu va zéka ou condamné qu'à bon auto ben à ouli va congolais va bitala. Tika na yo. Ba toi ba lo ba ka bo me ko sala me lo ko te don ba lexi biso ba le distraction pour anini armée rwandaise a gagné ba territoire na biso ale ba kata mboka na biso moto o kata e di sa sati na 20e siècle ah moto o kata wa sati pays a envié partout moko jamboka na ba ida bien. Richesse ton ango, ton luka peuple congolais a bénéficié. Tout ça, musika, n'a pas payé mon sou. Tout ça, ton gambo kalelo, babalaba les ati, makabwe bele les ati. Menato, misambo, et bele pour la armée, en tout ça. Menap occidentaux, ba pesi message moko commun. Ba yebisi, présent à Rwanda. L'armée rwandaise va se retirer immédiatement des territoires occupés. Mbaramoko, c'est le fait Mbamo Batiki qu'il quitte le territoire en Agnos. Zomana, bisoto kotika le négocier na bangoti. Bandeko, nde bazaba zomone sur le haut salati. Mais avant que na mosindo nango, parlons na otoluba ne bandi. Agression dans l'est, Sama Lukonde refuse de s'afficher aux côtés de Kagame au sommet de la francophonie en Tunisie. Patrick Moyamba a tuté, ne pouvant s'afficher à côté de Paul Kagame pour manifester la totale désapprobation du gouvernement contre l'agression rwandaise. Le PM Sama Lukonde, représentant du président Tshisekedi, n'a pas participé à la photo de la famille et de l'ouverture de la francophonie. Ezamawa, dont le président Emmanuel Macron, le premier ministre canadien, se réunissent ce samedi 19 novembre sur l'île de Djerba à l'occasion du sommet de la francophonie. Toyo kandeni ya Samalukonda Zakuna, bon, on continue mission. Le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie s'ouvre ce samedi à Djerba en Tunisie. La RDC prend part à ses assises en la personne du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, représentant personnel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Pour Didier Manzinga, ministre congolais de l'intégration régionale, avec l'acceptation de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, il est important que le chef du gouvernement soit à Djerba pour faire le point de l'état d'avancement des préparatifs de ces Jeux et parler aussi de la situation sécuritaire dans l'est du pays à la suite de l'agression du Rwanda qui soutient le M23. Bandeko Tolandi Wana Samalukonde Penda Azakuna ou représenté Fachi. Mais à côté na photo de Azakuna zo représenté intérêt na bisou. Azokuta akuta na bate belepe. Tant que Kepe Kuna a zappé na masolo na batu pour na ndenge tous organiser armée na biso. Donc, makambo toza na ngo ndenge a ke wana a ke représenter les chefs de l'État. Batu yo maye na bango pisi. Alors, tozo nga kotanga poto yoka message ya Occident. La reprise des violences depuis le 20 octobre, notamment dans les villes de Rutshuru, Kiwanza, Rumangabo, Kibumba, les alentours savent les efforts de la paix à entraîner l'accroissement de l'insécurité ainsi que des grandes souffrances humaines. A noté vendredi ses envoyés spéciaux d'appeler les terroristes à déposer les armes et à quitter les zones conquises. Nous appelons les M23 à se retirer immédiatement, à mettre fin à toute activité violente, les droits internationaux et à cesser les hostilités, a-t-on lu dans cette déclaration. Pourquoi va le bazo violer droit international? Et ça m'a appelé la bisou ba rwandais ba koti.
botala kaka ba rwande wana tala bangwana ese oyo bazaba kongole moto pesa ka répond directement non ce sont des rwandais ndenge bazawana bazama yele silibango avance. Dans cette option, les USA et les envoyés de la Belgique, la France et du Royaume-Uni dans la région des Grands Lacs retirent leur soutien en des processus de Nairobi et Luanda qui promeuvent la désescalade et créent les conditions d'une paix durable à RDC. Nous encourageons la reprise du dialogue à travers ces mécanismes et nous incitons les groupes armés non étatiques congolais à participer au processus de Nairobi. Tout soutien et des acteurs armés non étatiques doit cesser, y compris le soutien extérieur au M22. Mais votant à Rwanda, nous appelons les pays de la région à faire de tout ce qui est à leur pouvoir pour demander une cessation immédiate des hostilités et une reprise immédiate des consultations sur les étapes concrètes permettant de faire baisser les tensions actuelles. Quand on a un moment, on a un temps ici, mais tu as un temps. Alors, tu as un message na bango. Bon, tu continues mission na mission. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Les États-Unis d'Amérique ainsi que les envoyés spéciaux des Grands Lacs, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni condamnent dans les termes les plus forts l'avancée continue du M23 sanctionné par l'ONU en République démocratique du Congo. La reprise de la violence depuis le 20 octobre, y compris dans et autour des villes de Rutshuru, Kiwanja, Rumangabo et Kibumba, sape les efforts de la paix et a aggravé l'insécurité et d'importantes souffrances humaines, déclare-t-il dans un communiqué conjoint rendu public hier vendredi dans la soirée. D'autres détails avec Kipele Kipelamundo. Nous appelons le M23 à se retirer immédiatement, à mettre fin à tout acte violant le droit international et à cesser les hostilités, indique-t-il dans leur communiqué conjoint. Ils disent réitérer leur soutien aux efforts diplomatiques régionaux, y compris les processus de Nairobi et de Luanda, qui favorisent la désescalade et créent les conditions d'une paix durable en RDC. Ils encouragent la reprise du dialogue par le biais de ces mécanismes et la participation des groupes armés non étatiques congolais au processus de Nairobi. Tout soutien aux acteurs armés non étatiques doit cesser, y compris les soutiens extérieurs M23, ajoute-t-il. Ils appellent les pays de la région à utiliser tous les moyens à leur disposition pour demander une cessation immédiate des hostilités et une reprise immédiate des consultations sur des mesures concrètes pour désamorcer les tensions actuelles. Enfin, ils réaffirment leur attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des pays de la région des Grands Lacs. Par ailleurs, sachez que le président rwandais Paul Kagame a accepté d'aider les facilitateurs Uhuru Kenyatta à obtenir les cessez-le-feu et les retraits du M23 des positions conquises. Uhuru Kenyatta a en effet parlé au secrétaire général des Nations Unies ainsi qu'à certains chefs d'État sous-régionaux dont Félix Tshisekedi de la RDC, Evariste Ndayishimiye du Burundi et Paul Kagame du Rwanda. Avec le président rwandais, les facilitateurs ont évoqué les conditions humanitaires déplorables que traversent des populations du Nord Kivu suite aux affrontements entre l'armée congolaise et les M23. Alors, bande koto landiwa, États-Unis, France, Belgique et Royaume-Uni. Ba grande puissance haute au bien à la communauté internationale bangoana. Kaka l'air ba silisi message na bango Kagame azibu tozo e pa Kagame. Azimaloba. Pourquoi kalana baloba ki na yiti? Pourquoi kala ba benga kiye na téléphone te ba eko salon si? Alo, bandeko, soko so landa dossier o mona clair ma ki, bango, ba eba ki na ba, me loko ni netini wo ba ke nanzela o si, ko, ok, ma kambo e sila. C'est parce que ba moni ete, une situation comme au boulot, ba moni ete, biso penza, toza ko avancer, FARDC, ba vio na likolo, ma kamine ne zali, ba moni te moya weza li susu, ti. Kopi na bise koufi, na ba sukoi na likolo boye, me kopi na bise koufi. Alors, maintenant, tolo ba kakana, 1-23, ba bima.
Ils ont pris le message ensemble de Tolandi, été M23 va quitter le territoire, nous se conquise immédiatement. Mais les Bosso Bazako le même message. Mais Kagame a réagi ce qui dit. Mais maintenant, à réagir et te va quitter. Mais toi, ça fait d'ici. Boti kate bo continue. Position kawa bozali. Suko eza la kakawana. Botambo la kapase ba on ba loba kabo et toi la confiance. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit, parce que président Rwanda a lobby, que tout le monde va sticker. Tout le monde a peine qu'il va accueillir. Vous savez, mon âme. Soit tout le monde a peine qu'il va accueillir, et que ça va bien. Mais tant tout le monde va quitter. Et ça passe. Chers téléspectateurs, tant au cas où on va s'ilici, président Rwanda a du maloba. Tant qu'on est directement dans le dossier, il y a président Rwanda. Président Rwanda lobi na koyeb sabango va se retirer immédiatement. Cessez le feu, va se retirer. Mais problème là, monsieur Zaka a été, va kendende va quitter, pena tout le monde, pena qui va quitter, faire de sa commune à Romangabo, partout, faire de sa vandi. Ki wanza, va territoire au bon, va vandi, faire de sa remplacer bango. Yaoto le mafar de ce bon salaka na position wana. I position y offensive pour bato ba lo bakame ba sali la kayangoti. Donc l'heure est grave. Tout ça la problème sérieux ao. Alors, bandeko, to comme si koyo après déclaration na bango, président Rwanda yalobi. Paul Kagame accepte de contribuer au retrait du M23 des positions conquises. Le président rwandais Paul Kagame a accepté d'aider les facilitateurs Kenyatta à obtenir le cessez-le-feu et le retrait du M23 des positions conquises. C'est ce qu'annonce un communiqué à la communauté internationale de l'Afrique de l'Est, publié vendredi 18 novembre. Ce document a sanctionné la brève mission du facilitateur du processus de paix de Nairobi à Kigali auprès du président rwandais Paul Kagame. La grande puissance. Bango batina ki président Kenya ou ex-président Kenya, allo banaye. Le président Kenya est en discussion avec le président Kagame, convenu la nécessité de cesser les faits immédiats. Et le président Kagame a également accepté d'aider les facilitateurs de l'EAC à exhorter le M23 à cesser les faits et se retirer des territoires capturés conformément à la proposition faite par les chefs de défense régionaux lors de la réunion de Bujumbura. D'après ce document, on reconnaît en effet au cours des missions dans la sous-région par au secrétaire des Nations Unies qu'à certains des chefs d'État sous-régionaux, dont Félix Tshisekedi de la RDC, Evariste Ndayishimiye de Burundi et Paul Kagame du Rwanda. Avec le président rwandais, le facilitateur a évoqué des conditions humanitaires déplorables que traversent les populations du Nord Kivu aux affrontements entre l'armée congolaise et les M23. Il y a l'objet qui a été sabango et sa armée na yoti. Bandeko, l'air est grave. Ba Congolais bo téléma te soutenir Fardis. Armée na bisou bozo mona wana. Et sa armée yaba guerrier. Et sa armée wo yaba telemi pour na mboka. Donc, pour le moment, tous en position de force. Oyo nyonso bato basali pour na mboka na biso. Ba manœuvre na bango nyonso basali. Ça ne va pas marcher. Biso de telema. Parce que pour le moment, tous en kobeta bango biloko bandeko. Nde bozo mwana foto wana. Ba moni ke mwaye zati. Ke fade se penza. Aza na position de force. Alors, bango mwaye zate. Yango zo mwana ba deklarasyon. Oyo nyonso. Ba ekupesa en retard. Me biso. To yebi deja. Position na bango. Fade se bendele koyati. Bo continue ndenge wana
Bandeko, ndenge bozo mwana foto wana. Donc, basuko ezo tinda biloko. Ezo kita. Donc, batwana, mayele na bango esili. Il fallait kakabui. Bango ba mwana ebiso kaka biloko pa batu pamba. Me baye ba ete. Ete biso peto zana armé. Alors, mena, mayele sili bango. Bazana mwa ete. Ba monika te, tika kaka, makamba ompe, esila kaka. Ah. Voilà. Ba Congolais, l'air est grave. Ba to nyo so wozo mona, ba trahir biso na ndinga mokiti, alo FARDC, a boaki ba biloko ali konde to zo mona ba avion wana, a partir na yango, nde ba fandini. Biloko a moto boko yoka, ndenge ba Congolais ba kuluba. Ba e kuluba si hypocrisie internationale leki mingi. Alo, to yoka, message oyo. Bon, to continue mission na biso, parce que ba to so moni ba ndimi ba moni te kop na bango e kufi. Ba strategie a fachi e simbi, botala ka bino moko, botala kaka ba Rwande wana. Tango ba moni suko e nebo so moni biloko a mote so kita. Babiti kopo ekufi president Tshisekedi akomi na ba avion de combat do musala mokoti tikakaka to sala cessez le feu salami alors maintenant sont au mona biloko apoui pourquoi ba eko sala mona reta osomona alors bandeko ezabawa. Donc, on va se déclarer, mbala moko présent Kagame Azumalo, qui n'a qu'un 23 batika. Pourquoi ça la quitte? Alors, Toyoka, mena ba Congolais, ne ba koloba. Bon, to avance une émission la mission. Et puis, au pays, les forces progressistes de la société civile appellent les pays membres du G7+1 et le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer des sanctions militaires et économiques contre le Rwanda et ses dirigeants pour la guerre imposée à la RDC. Dans une déclaration devant la presse ce vendredi ici à Kinshasa, le porte-parole des forces progressistes de la société civile a dénoncé le manque de solidarité internationale vis-à-vis de la RDC en ce temps de guerre, contrairement au soutien à l'Ukraine qui traverse la même situation. Dany Singoma-Boss exige une résolution condamnant explicitement le Rwanda, ses dirigeants ainsi que ses alliés pour violation de la souveraineté nationale de la RDC et de les sommer à se retirer immédiatement de son territoire. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama. Les forces progressistes de la société civile de la République démocratique du Congo demeurent profondément préoccupées par le développement de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC consécutivement à la résurgence de l'agression et la déstabilisation du territoire national par le Rwanda et ses alliés. Les forces progressistes de la société civile restent convaincues que la RDC fait face à une grande conspiration internationale et appelle toutes les forces de la nation à dénoncer avec véhémence l'hypocrisie du G7 et de toute la communauté internationale qui n'arrive pas à condamner sévèrement le Rwanda à l'obliger de quitter le territoire national. Ensemble, marchons, résistons, disons non à la balkanisation. Ensemble, soyons unis pour le Congo et rien que pour le Congo. Les forces progressistes de la société civile se disent déterminées à poursuivre la lutte et réaffirment l'appel à la mobilisation générale lancé en date du 30 octobre 2022. Bande koto la di biso nyonso parti progressiste. Ba lobi penza. Ke biso do telema komense l'homme, agression rwandaise, ba kongole nyonso mobilise, ete biso nyonso to zala sima ya FARDC. FARDC akolonga gero yonde to lobaki, yangwane salami. Ba strategi nyonso, ya communauté internationale kwena mai. Bande ko pa américain ba sangali bango nyonso ba iko pesa message commun et puis mbala moko présent ex président Kenya ba solila Kagame bango mo occidentaux ba téléphoner Kagame j'en suis sûr parce qu'après ka bango le ba lobby président Kagame a lobby ki ay as appoyé sa M23 armée rwandaise batik mais toi ba été
Ata présent Rwanda, a eu si bon batika batiki, mais biso fa de si bon fungo la misu. Mission à Rwanda nan ne kokisamite, mission nan mazawa du eteni a babele. Tango mission nan ne kokite baba nan ko continue kaka. Pour nan ko kase bango, armé moko a makasi. Ba continue ko former armé, peuple partout, tout le monde en parle. Et tu continues à former Fardesi. Pour ton long habitumba, oyo, mon gouna aki ma biso pona libela. Parce que ceux qui le l'ont armé moi ma casse, batou ba yako mekate. Alors, message au bon ba pesi. Liboso ba pesa kaya. Bitumbe continue kaka. Est-ce que yambala oyo, neto moni présent Rwanda et Koloba? Est-ce que c'est la fin? Point d'interrogation. Fardesi. Zalamaïd, Boutika bango tante, baza peut-être bazo kosa na bango. Bino bo avance, bo kende baruma, nga bo récupérer ba place nyona nyonso. Parce que tout ça na ba très très partout. Ande baza mawa. Batu musu bazo kango ndi mateke ye au sa makambo. Neto wa ututu landara, edi kongo basango. Oyu ya chef wa protocol ya gouverneur. Azeni kusula na barebele. Asa uzari. Ano, biloko yetu, mboka ba traizo baza na kaji. Batonsupi baza na mena Kinshasa. Balinga kaninu wane silati. Bando kia kongo batondi na mwani ingere silati. Mais les Congolais sont toujours que la guerre négocie. Mais l'autre est un peu moko. Quelles que soient les différences, ou tout ça, quelles que soient ma kamoué beleto anango, des divergences, ma kamoué beleto anango, biso to soutenir Fardis. Tout ça, l'armée moko, ba vaillant soldat. Tout ça, la simana bango, bango va continuer à progresser. Passe maïe la batu ici. Bango ya baka mokonza mboka ko negosia ko sidi. E fatia siditi. Ayo ki posa population congolaise. Toboy na ba 2025-2026 to mo analizo so 1-23 mo susibimi. To lingi amoti. Ti fatia yo ko tika pouvoir na 2028 to mo na te. E sili po na libela. Bo forme biso arme e zala makasi. Pour ma voisin, ma koma kubanga biso. Le ma voisin, ma tchola biso, parce que tout zara ki na armée moko affaibli. Mission occidentaux, ma linga ki kaka, biso to négocier na pression wana, comme ça, armée rwandaise, ma kota na kati a Fardis. Ba continue ko affaibli biso. Et comme tato tu as destiné à mboka. Et comme tato récupéré mboka. Balkanisation est tirée au salamati, battu échec. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont ensemble se réunir et au nom des Royaume-Uni, USA, France, Belgique, nous demandons au M23 de se retirer immédiatement. Et après cela, le président rwandais a pris la parole. Il a dit au 1-23 de se retirer. Est-ce que ça va se faire? Point d'interrogation. Est-ce que les akakaba distraction? Point d'interrogation. Fardes, bo fumo la misu. Bo zara kakawana. Bo continue kabo. Ce qui est bon, suko e kita. Bande ko ba avion ande o moni na. Ne ekstre wana. E sa pena ko kita ba bombe. Ba kukati. Ba kokate ba bombo ekitaka na ba avion na okokate. Alors, bande ko nangai. To landi biso nyonso mission. Bo continue ko s'abonner massivement. Bo partager mes missions oyo. Au revoir. À la prochaine.